Alors dans cette vidéo, on va voir comment écrire et gérer des articles et des messages. Alors, entrez sur votre site. Cliquez sur connecter pour connecter vous sur le panneau d'administration. Connexion. Saisir les informations de connexion. Alors cliquez sur le menu article. Puis cliquez sur ajouter. Et voici notre éditeur des articles. Alors ici saisir le titre de votre article. Ressaisir le titre ici. Alors pour afficher les outils de traitement de texte, cliquez dans ce bouton. Et maintenant, définir le texte comme titre. Cliquez sur titre. Changer la couleur de texte. Par exemple, bleu. Et saisir le contenu de votre article ici. Alors, définir les sous-titres. Titre 2. De même ici. Titre 2. Pour créer ou bien gérer un lien hypertexte, sélectionnez le texte et cliquez sur lien. Et voici l'URL de lien. Vous pouvez modifier l'URL ou bien ajouter un nouveau URL. Et ici un titre pour votre URL. Pour numéroter les textes, cliquez sur numéro. Et vous pouvez utiliser les autres outils de traitement de texte ici. Alors, pour ajouter une image, vous avez deux choix. Soit une image sur votre ordinateur ou bien une image à partir d'un site web. On commence par une image à partir d'un site web. Alors, entrez sur un site web qui contient l'image. Cliquez droit sur l'image, puis copiez l'image. Allez sur l'article. Clique droit, puis coller, et voici l'image a été collée. Pour mettre le texte à côté de l'image, cliquez sur l'image, puis cliquez sur modifier l'image et modifier les paramètres de votre image. À gauche pour aligner l'image gauche, droite pour aligner l'image à droite, centre pour centrer l'image, et c'est pour minimiser la taille de l'image, par exemple 80%. Ici vous pouvez saisir un titre pour votre image, ici un texte alternatif et l'URL de lien de l'image, et cliquez sur mettre à jour, et voici l'image a été alignée à droite. Alors la deuxième méthode est de ajouter une image à partir de votre ordinateur. Pour cela, cliquez ici sur cette icône ajouter une image. Parcourir. Et sélectionnez une image à partir de votre ordinateur pour cliquer sur ouvrir. Saisir les paramètres de votre image ici, le titre, le texte alternatif, la description et la cible du lien. Centrer
et cliquez sur Insérer dans l'article. Alors voici l'image. Vous pouvez ici sélectionner le format de votre article et ici la catégorie de votre article. Alors voiture et ici les mots-clés. Technologie des véhicules électriques. Véhicules électriques. Ajoutez, voici quelques mots-clés pour votre article. Alors, maintenant, on va voir comment ajouter une vidéo à notre article. Alors, ici, on veut ajouter une vidéo. Consultez un site de vidéos, par exemple YouTube. Alors, recherchez la vidéo à ajouter sur YouTube. Vous pouvez cliquer sur Partager. Puis sur Intégrer. Donnez une taille personnalisée à votre vidéo, par exemple 520. Et copiez le code. Copiez. Vous pouvez aller sur votre site saisir ici des signes par exemple 3 étoiles et cliquer sur HTML puis aller ici où vous avez saisir les 3 étoiles et coller le code de la vidéo. Voici le code. Maintenant, cliquez sur Visuel. Pour afficher l'article, cliquez sur Afficher l'article. Et voici votre premier article. Voici la vidéo, voici la première image, voici les liens, et voici l'autre image, les mots-clés, etc. Pour partager cette vidéo sur vos pages Twitter, par exemple, cliquez ici, Facebook, etc. Maintenant, on va voir comment modifier un article. Alors, lorsque vous êtes connecté sur votre site, il affiche automatiquement un lien pour modifier votre article. Voici le lien. Lorsque vous cliquez sur ce lien, il vous dirige vers la page de modification de votre article. Et pour gérer les commentaires, cliquez sur commentaires. Et si vous trouvez tous les commentaires saisis sur votre site par les visiteurs ou bien par vous-même, vous pouvez cliquer sur Courbet pour supprimer cet article indésirable, pour marquer cet article comme indésirable, modifier pour modifier l'article, répondre pour répondre et approuver l'article, et approuver ou bien désapprouver pour approuver ou bien désapprouver l'article. C'est fini pour cette vidéo. Merci et à la prochaine fois.